doit directement créer. En ajoutant là-bas, paf, ajouter PHP, on va lui mettre des choses là-bas et un peu vite vite. Voilà, comme notre page ajoutée va dépendre du fichier, bon, en fait, il va se connecter à notre base de données. Nous, on va créer le fichier connexion.php, connexion.php, pour que nous nous connections d'abord à la base de données. Et ce fichier sera appelé ici ou partout où on aura besoin de lui. Alors, on commence vite en éditant ce fameux fichier. On l'ouvre PHP. On prend directement la connexion. Try. Non, notre base ici c'est ma alum blog. Et puis voilà, nous avons déclaré notre connexion. On va utiliser une variable PDO. Et puis nous la créons PDO. Puis nous l'ajoutons dans la STL connexion. On cherche la connexion et puis nous ajoutons l'utilisateur qui est root. Et puis le password ici c'est vide pour lui. Ton point de virgule. Voilà. Le try il est en rouge, pourquoi? Parce qu'il manque son fameux catch. On prend l'expression du PDO, PDO exception. Voilà, et S dollar messages égal on appelle cette méthode getMessage qui va nous afficher ces deux messages là. Voilà notre fichier connexion prêt. Nous entrons directement dans notre fichier ajouter. Dans notre fichier ajouter, on va essayer d'appeler nos posts. Tout ce qu'on a eu à poster là. Voilà. Et puis, on a posté le nom. Donc, ici, on va essayer d'appeler ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé ici. Donc, on va appeler le name ici. Le nom. On va prendre ça.
on va prendre le mot de passe, on va prendre les rôles ici. Voilà, c'est ce que nous on va récupérer à ce niveau. Comment les récupérer? On crée la variable nom pour récupérer le nom. On met $ pour récupérer l'email. On met le rôle. $ mot de passe qui appelle à son tour le mot de passe. Ok, ici on appelle la connexion, donc on appelle d'abord la connexion avant de faire nos opérations. Connexion.php, c'est ce fichier qui est là. Après donc une variable pedo que nous appelons $pdo prépare notre requête maintenant qui est insert une utilisateur on insère l'email, désolé, c'est l'email, les mots de passe. Maintenant, le rôle. Value. On met les valeurs. Email ici. Non. Rôle. Voilà. Qu'est-ce qu'on retient à ce niveau? À ce niveau, nous devons retenir tout simplement que les valeurs qui sont ici, ce sont nos variables qui sont là. Et ce qui se trouve à l'intérieur là, c'est ce qui est ici. Dans notre base de données, donc ça doit respecter ce qui est là, non, tout ça,
La même façon que vous avez écrit ici, par exemple, les mots de passe, les emails, les noms. Donc, le nom que vous avez écrit ici, c'est ce qui est là. Donc, vous vous êtes demandé d'ajouter dans la base utilisateur, dans la table utilisateur, dans les valeurs qui sont là, les variables qui sont là, email, mot de passe, nom, rôle, les valeurs qui suivent. Donc, ce qui est là. Et celui-là, ce qui est là, c'est ce que vous avez envoyé. Donc, ça peut être le même que ce qui était ici au niveau de la connexion. Et comme ça peut être différent de ce qui est là, c'est pas un problème. Ça aussi, ça peut être différent de ce qui est à l'intérieur, c'est pas un problème. Mais ça ne doit pas être différent de ce qui est dans la base de données ici. Ça ne doit pas être différent de ce qui est dans la base de données ici. Voilà, c'est ce qui va nous permettre d'ajouter nos choses. On continue juste un peu pour terminer notre requête et essayer de faire l'ajout. On ajoute les params. Les paramètres. Qui est égal à un tableau de tout ce qu'on a fait là. On doit ajouter header, header, parenthèse, location, deux points, index.php. Ok. Voilà, on rentre déjà à notre chose ici. On a essayé, il nous renvoie là. Voilà, donc après l'exécution de la chose, il envoie là. Ici, on a envoyé deux fois parce que on a fait la même opération à deux reprises. On ajoute encore popo, on parle là-bas, popo, arrobase, gmail. .com, mot de passe, on met ça et puis on lui affecte les rôles publicataires quand on save. Voilà, ici il sera là. Voilà, les popo est là avec tout ce qu'il y a comme identité. Les rôles, c'est là deux publicataires et l'autre là était administrateur. Donc, je crois que on a fait l'ajout. On va essayer. On a fait les create. On y va pour les read.